Salut à tous, c'est Zakor. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, étant donné que j'avais pas internet. En tout cas, je vous remercie tous de vous être abonné à ma chaîne, de m'avoir soutenu, de m'avoir envoyé des messages, d'avoir posé pas mal de questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup de messages. Je pensais pas en recevoir autant. Et franchement, je vous remercie parce que ça fait vraiment plaisir d'être soutenu. Et donc aujourd'hui, on va quand même faire un petit test en plus. Donc, ce sera sur le Alphacar. Ananas. Alors, on a un tabac très juteux, coupé très fin, bien rouge. On a le même matériel que d'habitude. Je vous le rappelle pas, vous savez ce que c'est. Donc, pour ce qui est de l'odeur, c'est pas vraiment très agréable, il faut le dire. Enfin, moi, je trouve pas ça agréable. Ça sent entre l'ananas trop mûr et l'ananas pas mûr du tout, le vert. C'est un mix entre les deux. C'est vraiment... Ça sent pas top, en tout cas. Donc, on va tester la fumée, le goût. On a déjà allumé la chicha il y a 5 minutes. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, je pense que vous avez pu le remarquer, on a une fumée très blanche, très épaisse. Enfin, sur la vidéo, ça rend toujours moins bien qu'en vrai. Alors, pour ce qui est du goût, j'ai vraiment aucun goût, mais alors aucun. Mais vraiment rien du tout, c'est neutre, c'est... Je sais pas si c'est une mauvaise série ce pot, mais en tout cas, c'est vraiment pas terrible. Bonne fumée, mais au niveau du goût, voilà, aucun goût. Vous êtes prévenus, si vous voulez quand même essayer, ça reste à vos dépens. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé un bon test, malgré que le tabac soit pas top. Moi, je vais me régaler encore une bonne heure, et je vous laisse pour un prochain test. J'espère bientôt. Bye.